Salut les gens, c'est Kevin974, j'espère que vous allez bien, et là nous voici sur Rainbow Six Siege, et donc on fera une partie classée. Et donc, pour ceux qui connaissent pas très bien le jeu, donc en fin de compte, il y a des parties simples où il n'y a pas de classement, et donc des parties classées, donc dès que tu arrives, enfin dès que tu as le jeu, tu dois faire 10 parties pour avoir un classement. Et voilà, donc c'est plus ou moins vraiment, on va dire, en compète, quoi. C'est vraiment plus ou moins de la compétition. Là, faut, voilà. Là, tu vas pas tomber sur des mecs qui vont te tirer dans le dos pour déconner, quoi. Parce qu'il y en a plein, ils sont comme ça, les Va mecs qui falloir te trouver du tirent dans le lag. dos parce que t'as pris... Entre parenthèses, le spécialiste que le mec il voulait prendre, tout ça, là, comme ça arrive rarement. C'est déjà arrivé, mais c'est rare. Alors, on va aller voir par là. Confirmation, otage localisé. Ok, donc déjà c'est pas là. Il faut qu'on remonte. Ouais, donc j'ai fait mes 10 parties de classement. Et au début, Encore 10 secondes. j'étais en argent 3, un truc comme ça. 5 secondes à la insertion. Et puis bah après, malheureusement, j'ai joué avec des mecs, et puis bah Otage ça a capturé. fini en pas bon quoi. Là, je dois être en bronze. On va passer par là. Là, je dois être en bronze 3 ou bronze 2, un truc comme ça. Et voilà, on va mettre ça. Allez, on va se faire un passage direct, hein. On n'a pas le temps de chipoter. Ah putain, genre, j'ai fait péter le truc, en fait, ça servait à que dalle. Test, ouais, c'est bon. Enfin, on va tester. Si plus qu'ils aient mis le truc derrière, je suis baisé. Non, c'est bon, t'as rien mis. Monte ta tête là-bas. Bim! Ouais, elle était belle celle-là. J'ai vu passer, putain, j'étais en train de recharger. Ah putain, je me suis fait baiser. Quel con. Allez les gars là, 30 secondes. Ah merci mec. Ah bien joué. Bien joué. Un petit troll sur la fin, tout en plus. Ah ce serait bien. Une victoire parfaite, franchement, ça ferait plaisir. C'est rudement rare. Vas-y, en fait, je m'en fous, quoi. Allez, je vais mettre aucun vote. On verra bien où on atterrit. Là, excusez-moi. On va bien voir.
Mais ouais, non, franchement, je l'apprécie encore plus depuis que c'est vraiment des parties comme ça, en fait, des parties classées. C'est comme je disais juste avant, les mecs, ils te font pas chier, quoi. Et ça se passe beaucoup mieux. Du coup, là, on défend. Allez, on va essayer de bien défendre, parce que je suis beaucoup plus doué en attaque qu'en défense. Ça, c'est mon gros problème. La défense, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à plus ou moins à rester statique, à pas trop bouger, à pas aller chercher les mecs. Tout. Et puis des fois, tu vas te barrer, et puis là, manque de peau, bam, les autres ils vont arriver. Ils arrivent par les fenêtres, tout ça, donc tu te fais niquer l'objectif tout de suite, ils libèrent le passage directement. Donc la défense pour moi c'est vraiment chiant. On va faire un petit trou là. Voilà. Ça, s'il y en a un qui vient avec son pompe, enfin avec son pompe, qui passe par la fenêtre, on défense ça bien. Donc là, du coup, je prends un risque. Ah, c'est bon. Ils peuvent pas passer par là. Ok, donc lui, direct, il s'est fait pourrir, quoi. Et il s'est fait pourrir par qui et comment? Putain, dommage! Ah, dommage, je fais chier, bordel! Ah, merde! Un seul agent allié en Ah, je pensais que j'aurais eu le temps de. L'otage a été tué. Eh ben, nickel! Eh, franchement, les gars, continuez comme ça, quoi! Nous, on est là pour garder l'otage, vous le butez! Moi, ça me va, c'est pas nous, tout va bien! J'aime bien les parties là, tu vois, quand ça commence comme ça, là, direct. Hop, on va reprendre Termite. Celui-là, il y a Fuse. Fuse, il est vraiment bon, mais bon, là, c'est un truc d'otage, quoi. Donc, tu balances le machin, t'es quasiment sûr de buter l'otage. Allez, Allez, tiens, ici, allez, on va paraître près de l'entrepôt. Mais ouais, non, c'est un truc de fou, quoi. Moi, voilà, quand c'est otage, je ne prends jamais fuse. Celui-là, il colle son petit machin, puis balance ses petites grenades là, ça part en vrille partout dans la pièce. Et s'il y a l'otage, t'es quasiment sûr de le faire crever, quoi. Or que bon, quand tu prends. Enfin, quand c'est recherche de bombes ou sécurisation de zone, là, faut être clair, quoi, tu t'en bats les couilles. Là, tu prends fuse, dès que tu peux plus, que tu colles des trucs n'importe où. Pour que ça leur pète à la gueule, quoi. Alors, je vois les trous. Ils sont pas là. Je suis sûr qu'il faut descendre. Insertion dans 10 secondes. 5 secondes d'ici insertion. Otage localisé. Otage localisé. Eh ouais, les gars. On est parti. Ah bah déjà, il y a un mec qui a quitté la partie en face. Ah la vache! Putain, les tous. Ah là là, bien joué! Bien joué, bien joué. Moi j'ai fait bonne début de partie là sur la première manche, mais là par contre je me fais légèrement pourrir quoi. C'est pas grave. Après je me dis je m'en fous un peu tant qu'on gagne. Voilà. Le ratio, tout ça.
Je m'en occupe vraiment très peu. Bon, à partir du moment où on les bat, le reste, je m'en fous complètement. Là. Ah, bien joué. Fais gaffe, il y a un ennemi à l'extérieur. Genre, tu sais, les mecs. Putain, il n'y a que moi qui est mort en fait. Vas-y, moi je chope l'otage et je me barre. Choper l'otage, j'ai barré ou quoi? Oh, bien joué, le tir allié. Tir allié là, mon gars. Tu vois pas que. Ah non, pas de tir allié. Autant pour moi. Excusez-moi. Tu veux pas que tu tires sur un mort? Ah là là, dommage. Dommage, dommage, dommage. Ah là, putain, pourtant l'assaut c'est mon truc, là, je me suis fait pourrir direct. Bon. Là vraiment, j'en ai pris plein la gueule. Bah, normalement là, si on réussit la défense, en principe, je crois qu'on a gagné. Je sais plus combien il faut de... Je garde le pompe ou pas. Ah, le pompe, on est un peu limité niveau distance de tir quand même. Ah, vas-y, on va prendre le MP5. Pff, ouais, pareil, aucun autre, je m'en bats les. De toute façon, on défend, donc après, on s'en fout un peu où on va être. Hein, de toute façon. Enfin, je dis ça, quoique, il y a des endroits quand même, c'est quand même mieux de se mettre. C'est vrai qu'il y a 2-3 cartes, il y a des endroits, quand on est vraiment dedans, c'est vraiment une putain de place forte. Et là, après, pour passer, c'est chaud, quoi. De passer par au-dessus. Ouais, non, mais en même temps, je m'en. Ah, on va faire ça. Voilà. Non, pas celle-là, celle-là. Ouais. Après, ils ont. Hop là, ils ont rien mis là, les cons. Ouais. En même temps, j'ai plutôt le mettre là. En même temps, là, voilà, je dis des cons. Là, finalement, c'est moi qui a fait le con. Genre, déjà, j'ai pas regardé la salle comment elle était. Attention, on a un con. Là. Voilà, je vais faire ça. Et l'autre il a défait. Bravo. Oh la vache. Elles sont barrées par là-bas. Du coup je me sens un peu alone là pour protéger l'otage. Hein. Sont un peu seul. Putain, j'ai été obligé de faire ce que j'aime pas là. Attendre. Putain. Là, j'espère qu'il regarde sur ma droite lui. Hein. Moi, je regarde sur la gauche. J'espère que c'est pas un gland. Eh, monte ta gueule. Allez, loser! Eh oui, mon gars! Je t'ai niqué! Je t'ai niqué!
Bon, désolé pour le, je l'ai niqué, mais voilà quoi. Fait son barbeau là, caché derrière son petit bouclier. Ah ouais, mon gars, mais non, cherche pas, t'es mauvais. Et finalement, je vais pas me plaindre. Là, en défense, pour le coup, j'assure plutôt pas trop mal, quoi. Donc, allez, vas-y, aléatoire, en fait. J'ai pas envie de me faire chier à choisir, tu sais, à jouer genre stratégique, machin, tout. Là, genre, on est trois, quoi. Il y en a un qui s'est déconnecté, il y en a un qui s'est barré. 3 contre 4. Il va Ok. falloir trouver l'otage. Je crois que ça va être chaud. Crois que ça vient d'en haut. Confirmation, otage localisé. Insertion dans 10 secondes. Va te faire, t'auras pas mon petit drone. 5 secondes. Allez, on va se mettre là, tranquille. Otage en vue. Ouais, 3 contre 4. Ça va être chaud 3 contre 4 quand même. Ta gueule. Putain, je me suis collé en flip et en stress tout seul, quoi. Toi, t'es cuit. Ah, putain, j'ai fait buter l'otage. Chaud, quoi. Dernier Roquefort. L'otage est en sécurité. Allez, viens dès l'otage. On s'en bat l'œil, on se casse. Eh oui. Mission réussie. Wouh. Eh, tranquille. Putain, je suis content, quoi. Je me suis pas trop fait défoncer la gueule comparé à d'habitude, parce que d'habitude je prends mais vraiment plein la gueule. Et là non, là ça s'est plutôt passé tranquille. Et 3 contre 4, et les gars on les a mis à l'amende. Non là, sans déconner, on est trop fort. On est trop fort. Bon, notez, j'ai dit on est trop fort. Je pense que prochaine vidéo, je vais me faire défoncer la gueule, c'est obligé. Ah non, c'est bien ce que je disais, j'étais... Allez, elle change de niveau, elle bronze 3. Ah, donc c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai remonté un peu. Bon, je suis pas repassé bronze 2, manque un peu de points encore, mais je suis remonté un peu. Et de toute façon, c'est toujours plus facile de descendre que de remonter. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Tout ça, comme je dis, je sais, en ce moment il y a la polémique. Ouais, vas-y, genre, demande des pouces bleus, des machins, tout ça. Mais moi, en fin de compte, c'est pas pour faire plus de vues, c'est pas pour avoir plus d'abonnés, pas de trucs comme ça. Enfin,
J'aimerais avoir plus d'abonnés parce que ça fait toujours plaisir. Mais c'est juste, voilà, c'est si vous avez aimé ma vidéo, mettez un petit pouce bleu. C'est juste pour ça. Et ça me fait franchement super plaisir. Et donc, ça me donne envie de faire des meilleures vidéos et puis de me dépasser toujours un petit peu plus. Et puis, bah, ce sera tout. Hein. Et donc, je vous dis à une fois prochaine. Allez, salut les gens!